J'ai perdu ma maman en 2012 et j'arrive pas à faire le deuil, nous demande Megan. Alors je vais te conseiller deux choses que j'ai encore jamais conseillées jusque-là, en tout cas par rapport au deuil. La première chose, tous les soirs, avant de te coucher, tu fais le vide dans ta tête et tu t'adresses à ta mère. Et tu lui demandes qu'elle te parle dans tes rêves. Tu le fais tous les soirs. Et tu verras ce qui va se passer. Fais-le. Juste fais-le. Et ne te dis pas, oui, mais les rêves, est-ce que c'est réel? Surtout, t'inquiète pas. La vie que tu es en train de vivre maintenant, elle n'est pas plus réelle que les rêves que tu fais la nuit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, médite tous les matins au réveil. Ça, je le dis tout le temps, mais médite tous les matins. Pourquoi? Parce que le silence que tu vas mettre en place à l'intérieur de toi-même, c'est dans cet espace-là que ta mère va pouvoir te répondre. Ça, ça concerne tout le monde. Ne croyez surtout pas que les médiums, que les guérisseurs, que les maîtres ont plus de pouvoir que vous. j'en ai tellement rencontré que ça c'est vraiment mon message. Ils n'ont rien de plus que toi qui regardes ce message n'a pas déjà à l'intérieur de toi-même. Et si ça t'intéresse, j'ai développé une petite formation pour que tu apprennes à développer ton propre bonheur intérieur. Pour cela, clique sur le lien qui est disponible dans la bio de mon profil.